Kinshasa a offert une table pour un séminaire de formation des officiers de liaison BCN-Interpol-RDC. L'ouverture a eu lieu ce mardi 11 février. Objectif, lutter contre la criminalité interfrontalière. Le chef du gouvernement, Auguste Matata-Mponyo, s'est entretenu ce mardi avec le ministre belge des entreprises publiques et de coopération au développement chargé de Grandeville, Jean-Pascal Labille. Ils ont parlé de la situation générale de la RDC. 31 ans jour pour jour depuis la disparition de l'un des grands artistes musiciens congolais, Grand Kale Kabasele Tiamala, le compositeur de la chanson Indépendance Tcha-Tcha. RTNC2 Développement, journal télévisé, à la présentation Nathan Tamboué. Merci de nous réitérer votre confiance, madame, messieurs. Bonsoir et bienvenue dans cette demi-heure d'actualité sur la RTNC2 Développement. Nous avons un invité dans ce journal. Il s'agit de Jean-Max Mayaka, président de coordination des Dérives Club Motema Pembe. Avec lui, nous allons parler de la nouvelle structuration du club. Jean-Max Mayaka, bonjour, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Je vous retrouve dans quelques minutes, le temps pour moi de présenter les éléments. Vous l'avez suivi au sommaire, à la primature, deux dossiers sur la situation générale du pays étaient sur la table. D'abord, la rencontre est tenue ce mardi entre le Premier ministre Augustin Matata-Ponyo et le ministre belge des entreprises publiques et de la coopération au développement, Jean-Pascal Labille. Ensuite, le chef du gouvernement congolais s'est entretenu avec la directrice générale du partenariat mondial pour l'éducation, Alice Albright. Tout de suite, le condensé de ces deux rencontres avec Christ Sumbula. Les échanges entre le Premier ministre Augustin Matata-Ponyo et le ministre Jean-Pascal Labille ont gravité autour de la situation générale en RDC. Selon le ministre belge, il s'avère indispensable d'instaurer et de maintenir la paix et aussi de développer des projets socio-économiques aussi bien à l'est que sur l'ensemble du territoire congolais. Je pense qu'il y a vraiment aujourd'hui une fenêtre d'opportunité, c'est une autre raison. Et j'ai toujours voulu capitaliser sur cette fenêtre d'opportunité où vraiment il y a un moment où on peut développer des projets socio-économiques, que ce soit au travers de la coopération belge, que ce soit au travers de la coopération internationale, mais aussi avec la Banque mondiale. Et c'est d'ailleurs à ces projets que nous travaillons pour l'instant. Un peu plus tôt dans la journée, la question relative au secteur de l'éducation était évoquée au cours du face-à-face entre le chef du gouvernement congolais et la directrice générale du partenariat mondial pour l'éducation. Ici, la détermination se traduit entre les deux personnalités. L'objectif est clair, renforcer le système éducatif. Et nous sommes vraiment très impressionnés du leadership, aussi de l'encouragement, de l'engagement que ce gouvernement est en train de montrer, non seulement dans la construction des écoles, mais dans l'achat des livres et aussi dans l'amélioration de la gestion de l'éducation. Ensuite, nous avons aussi parlé du système de financement mondial, surtout l'aide extérieure, pour plusieurs raisons, surtout dû au climat économique difficile dans d'autres pays. Donc, avoir des enfants éduqués et aussi avoir des adultes qui sont éduqués, cela améliore beaucoup d'autres choses. Pour la directrice générale du partenariat mondial pour l'éducation, l'implication des autorités congolaises est vivement souhaitée pour un lobbying visant à investir dans le secteur de l'éducation, une des options pouvant constituer la prospérité d'un pays et aussi son avenir. Un autre point d'actualité, les policiers congolais à l'école d'apprentissage. Un séminaire de formation vient d'être organisé à leur honneur par Interpol RDC. Objectif, apprendre les techniques de lutte contre la criminalité transfrontalière. La cérémonie d'ouverture a eu lieu cette matinée en présence du général Raoult, représentant personnel du commissaire général de la police nationale congolaise. Franck Onaeta, Marie-Louise Effilé pour les explications. Comment lutter contre la criminalité? Un épineux phénomène qui traverse progressivement les frontières. L'objectif poursuivi par l'Interpol de la RDC reste bien déterminé. Outiller suffisamment les officiers de liaison
des différentes matières pour opérer efficacement dans la lutte contre la criminalité interfrontalière. Invité pour la circonstance, le général Raus, représentant personnel du commissaire général de la police congolaise, a été clair à ce sujet. Au PCN Interpol Kinshasa, qui a mis à contribution ses moyens techniques et intellectuels pour l'organisation de ces séminaires. À tous ceux qui ont accepté de participer à ces séminaires en dépit de leurs préoccupations quotidiennes. Quant aux formateurs, je les exhorte de partager désormais et régulièrement leur expertise et expérience dans les domaines de la lutte contre la criminalité transfrontalière sous toutes ses formes. Évariste Ok-Yum, directeur de l'Interpol RDC, éclaire l'opinion sur l'importance de ces séminaires. La session de formation qui s'ouvre aujourd'hui s'inscrit dans la série de programmes de plusieurs activités prévues par notre BCN Interpol pour remettre à niveau et rendre performants nos officiers et unités chargées de l'application de la loi qui ont été désignés et mis à notre disposition par leurs services respectifs. Nous devons vivre dans un monde où la criminalité ne doit plus prendre d'ampleur et régresser considérablement, a martelé le général. Toujours dans ces secteurs incontingents, des FARDC se trouvent déjà en République centrafricaine pour apporter leur soutien dans le processus visant le retour de la paix dans ce pays longtemps déchiré par des conflits interreligieux. Cette intervention qui s'inscrit dans le cadre de la MUSCA, la mission de l'Union africaine pour la sécurisation de la Centrafrique. Les détails dans ce récit de Christ Soumboula. On ne fait jamais la fête quand ça brûle chez les voisins. Ce vieux adage africain prend une fois de plus corps à travers ce bataillon des forces armées de la RDC, dépêché par les autorités congolaises dans le cadre de la mission interafricaine de stabilisation de la Centrafrique. La mission principale de ces militaires congolais est claire, sécuriser et stabiliser les secteurs frontaliers qui s'étendent de la province orientale à l'Équateur. Déjà, sur le terrain, les forces armées de la RDC marquent positivement les esprits. Ces militaires communient et collaborent avec beaucoup de sympathie, enthousiasme et hospitalité avec la population centrafricaine. Bon, nous, parce qu'on préfère le Congolais, le premier, le Congolais ne cherche pas de problèmes aux gens. Deuxième, le Congolais, ce sont nos frères de même sang. Nous avons de sympathie pour les militaires congolais parce que ce sont nos frères. Ils connaissent qu'est-ce que nous ressentons dans notre chair. Ils savent qu'est-ce que nous vivons. Concernant cette solide intervention des forces armées de la RDC, les résultats sont concrets et palpables. Confirmation avec le chef d'état-major de la MISCA au cours de son point de presse. Je voudrais saluer les activités que mène actuellement le détachement de la République démocratique du Congo, qui nous a permis, en un temps très rapide, de pouvoir boucler certains quartiers, procéder à des rafles, qui nous ont permis de récupérer des matériels et de désarmer beaucoup de gens. Cette présence des militaires congolais vient traduire la décision prise en décembre dernier par les autorités de Kinshasa, celle de dépêcher un contingent pour lutter aux côtés d'autres pays qui composent la MISCA. Cela en vue de restaurer la stabilité dans le pays de Bokassa. Les élections sont l'une des preuves de la démocratie dans un pays donné en Afrique. Beaucoup de dirigeants ont des difficultés d'instaurer la démocratie dans leur pays respectif. Pour les cas de la RDC, cet exercice commence à prendre de plus en plus corps et les Congolais s'y habituent déjà. Approché par notre reporter X Mpezo, Maître Carlos Mupili explique les difficultés de la démocratie en Afrique. On l'écoute. La démocratie, comme on dit, c'est le pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple. C'est-à-dire, c'est le peuple qui est le détenteur des pouvoirs et c'est le peuple qui peut élire ses mandataires. Et le mandataire doit exercer ses pouvoirs tout en au compte et au nom du peuple. Donc, c'est un pouvoir conditionné et limité. Maintenant, ce que nous constatons dans notre pays est que tout doit se jouer et doit être formé au niveau des partis politiques. Parce qu'on ne peut pas prétendre qu'on est de l'opposition que lorsqu'on est champion en insultant les gouvernants ou en coloniant
les autorités du pays. Et on ne peut pas prétendre être des majorités que lorsqu'on constipe le chef de l'État avec des propos flatteurs, mais on ne l'aide pas à accomplir sa vision. Alors, nous allons vers les élections où le pays dépense plus de 750 millions de dollars. Ça pouvait faire une autoroute de Bukavu, Maniema, de Kasai. Mais c'est pour les élections. Mais qui peut-on élire? Je crois que le peuple doit se référer à la culture traditionnelle. C'est-à-dire, les élus, ce sont les notables. Ce sont les dignes bourrés de connaissances. Ce sont des excellents. C'est-à-dire, on doit choisir les meilleurs pour les amener dans des places de débat. C'est comme ça que la démocratie peut nous produire du développement. En santé, l'humanité célèbre ce 11 février la 22e journée mondiale des malades sous le thème « La foi et la charité » pour dire que nous devons nous aussi donner notre vie pour nos frères. À cette occasion, nos confrères de la rédaction ont interrogé le docteur Ampi Kimbasa pour savoir comment se prévenir contre le maladie. Il s'est confié à Benet Mogogo, la Mama Kitonda. Par définition, un malade est une personne dont la santé est altérée ou une personne atteinte d'une quelconque maladie. Un malade doit impérativement être soumis à un traitement de qualité d'une part et d'autre part, il est appelé à respecter strictement des processus curatifs. Quelles sont les méthodes préventives pour lutter contre différentes maladies? Le traitement de qualité dépend des moyens dont disposent les malades. Pour rester en bonne santé constamment, il faut respecter les mesures d'hygiène. Il faut vivre sainement, il faut éviter des aliments souillés, de l'eau souillée. Donc vivre sainement, comme j'ai dit, avec ces méthodes, vous pouvez vivre décemment longtemps. Il faut se rappeler que la journée du 11 février, consacrée aux malades, a été instituée par le pape Jean-Paul II en 1992. C'est aussi le jour d'anniversaire des apparitions de Marie à Lourdes, lieu de guérison de corps et de cœur. Le ministre de Médias en charge des relations avec le Parlement et de l'initiation à la nouvelle citoyenneté, Lambert Mende Omalanga, a reçu cet avant-midi dans son cabinet de travail le directeur général de LC2 AFNEX. Au cours de leurs échanges, les deux personnalités ont parlé du partenariat entre AFNEX et la radio-télévision nationale congolaise. Le patron de Médias congolais et son hôte se sont compris et ont promis de travailler main dans la main. Chris Pengoy a couvert pour vous cette audience. Regardez. Le comité de gestion de la RTNC que pilote Mme Nicole Dibambu Kitoko a accompagné le directeur général de LCD AFNEX auprès du ministre responsable des médias, Lambert Mende Omalanga. Au menu de leur échange, plusieurs questions dans le cadre de leurs relations. Au sorti de leur entretien avec les ministres, le DG de LCD AFNEX, Christian Nock, explique l'objectif de sa visite. Dans le cadre de nos relations de travail avec la télévision nationale, et notamment sur les droits sportifs. Et c'était de bon ton par moment de se revoir et de faire le point, de parler du passé, du présent et surtout du futur. Et comme chacun savait qu'il y avait quelques difficultés, il fallait être patient et puis s'asseoir. Et je pense que la réunion a fait que chacun en s'est mieux compris. On se connaît mieux, on se connaît plus et je ne regrette pas du tout. Des fois, des histoires peuvent donner de très bonnes solutions pour nous et pour tous. Parce que ce qu'on a fait ici n'est pas que pour finalement LC2 ni pour la RTNC, mais c'est pour l'Afrique qu'on vient de trouver des solutions. Et j'ose croire que tout finira très bien. S'agissant du climat dans lequel s'est déroulé l'entretien avec les ministres, Christian Enoch a indiqué que des deux côtés, il y a la volonté et la disponibilité des solutions concernant les droits sportifs pour l'Afrique. En conclusion, les deux personnalités se sont comprises et ont promis de travailler main dans la main pour le bonheur des pays partenaires. J'en viens maintenant à mon invité Jean-Max Mayakaro, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes là pour nous parler de la nouvelle structuration de Daring Club au Temapembe. Avant de prendre cette question, parlez-nous d'abord du climat qui règne au sein de Daring Club au Temapembe. Je dirais que l'heure est à la réconciliation parce que la réconciliation s'impose.
étant donné que le comité en place a reçu mission pendant 6 mois d'emmener cette ASBL en société anonyme. Et aujourd'hui, je me réjouis d'informer tous les Daringmen, tous les Congolais, que la société anonyme Daring Club Motema Pembe de Kinshasa est en constitution. En parlant de constitution, c'est que c'est un processus. Tout à fait. Mais ce qui est déjà à informer tous les Congolais, c'est que nous sommes la première société anonyme sous la loi de l'OADA. Et par rapport aux exigences de la CAF, notre comité a reçu mission pendant 6 mois de mettre en place cette structure. Ce n'était pas évident. Mais aujourd'hui, il y a eu une réunion stratégique d'adoption des statuts, parce qu'il fallait une formulation pour permettre à ce qu'on puisse l'adapter aussi et qu'il n'y ait pas d'exclusion. Et donc, je me réjouis d'informer aujourd'hui, de faire le bilan avec les Daringmen de la mission que nous avons reçue le 11 août dernier. Ouais, vous parlez déjà de Daring Club Motema Pembe comme une société et non une ASBL. Faites la différence de Daring Club d'avant et maintenant qu'il est devenu une société. Avant, la différence c'est quoi? Comme vous le savez, comme d'aucuns l'ignorent, le Daring Club Motema Pembe souffrait du non-respect des textes, souffre d'une certaine anarchie, d'un désordre, des confusions, mais quand on est dans une entreprise, les règles doivent être respectées, il y aura plus de sérieux. Et, aujourd'hui, je peux déjà informer que les bulletins de souscription peuvent être déjà disponibles pour que tous les Daringmen d'abord et tout celui qui peut aujourd'hui prétendre à devenir actionnaire dans le Daring Club Motema Pembe peut déjà prendre contact avec le comité de direction que je préside pour éventuellement déjà disposer de tous les renseignements qu'il faut pour la libération des parts. Est-ce que cette nouvelle structuration ne peut pas créer de la confusion, de l'anarchie au sein de Daring Club Motema Pembe? Il sera difficile parce que nous allons nous conformer cette fois-ci aux règles qui régissent les entreprises. Et donc, je pense qu'ici à la RTNC, par exemple, personne ne peut aujourd'hui se prévaloir ou décider d'utiliser ce label, ce grand label, n'importe comment. Je pense que c'est la solution d'abord pour qu'il y ait cette réconciliation, hein, et que ça permette qu'aujourd'hui nous voyons ce Daring qui devait ou qui allait disparaître puisse retrouver en tout cas sa vigueur d'antan. Qui sont les premiers sociétaires? Les premiers sociétaires sont les Daringmen eux-mêmes, regroupés, excusez-moi la tautologie, en groupements d'intérêt économique et social. Et donc il n'y a pas d'exclusion, comme je dis. Tout celui qui s'estime être Daringmen est le premier sociétaire. C'est eux qui sont les fondateurs de leur société. Le comité qui a reçu mission d'administrer en fait cette structure devra, je dis, par la volonté des sociétaires, nommer les dirigeants, c'est-à-dire les administrateurs, le conseil d'administration. Et donc, on se réjouit aujourd'hui et on peut se dire avoir réussi notre mission aussi. Y a-t-il des avantages pour le Daringmen, les sympathisants, tous? Y a-t-il des avantages? Oui, je sais que... Oui, je sais, des avantages. Et pour la façon dont le Daring est devenu une société. Je dirais que tout le monde aujourd'hui a mal au cœur de voir le Daring ne pas faire les résultats escomptés ou attendus, parce qu'il manque de cohésion. Il y a ce manque d'unité qui fait que le Daring souffre de tout ça. Quand les parents ne sont pas en bon terme, les enfants ne peuvent pas fonctionner comme il faut, ne peuvent pas grandir comme il se doit. Et donc, avec la société, il sera difficile que nous entrions dans ce genre de confusion et d'anarchie. Donc, l'ordre devra régner. Et je pense qu'aujourd'hui, ces athlètes qui sont un peu abandonnés à eux-mêmes savent qu'ils doivent venir et non seulement
ils peuvent souscrire, mais ils peuvent aussi s'estimer maintenant être en sécurité dans une société anonyme. Jean-Maxime, quand nous allons mettre un terme à cet entretien, vous avez un dernier mot à passer, à en dire, à l'endroit de Derrickmen qui vous suit en ce moment précis. J'aimerais remercier tous les Derrickmen, déjà, malgré tout ce qu'il y avait comme conflit et problème, d'avoir continué à soutenir leur équipe. J'aimerais aussi demander à tous ceux qui ont souffert de toute cette confusion, de tous ces problèmes, je demanderai un pardon au nom de toute la famille du Derrick Club Motema Pembe, et j'exhorte tous ceux qui estiment appartenir à cette famille, de cette famille vert et blanc, de venir nous rejoindre. Bientôt, dans les jours à venir, il y aura une assemblée constitutive de la SBL. Le guichet unique nous a prêté main forte avec les notaires et tous les spécialistes et les experts en matière de WADA pour qu'on puisse arriver à mettre en place cette société. Donc Derrick Uni est imbattable. Je pense que cette fois-ci, c'est la bonne. Derrick Uni est imbattable. Jean-Max Mayaka, merci d'être passé dans notre studio pour nous parler de la nouvelle structuration de Derrick Club Motema Pembe. Merci beaucoup. Je vous remercie. Nous poursuivons ce journal. Les médias congolais viennent de s'enrichir d'un nouveau-né, Congo Métro, un journal hebdomadaire d'information et de publicité à grande vitesse. La cérémonie du lancement officiel de ce journal a eu lieu ce mardi au Salon Bleu dans la commune de La Gombe. Témoin d'événement, Guy Volumé. Porté sur les fonts baptismaux par Madame Annie Mbombo de la FEC, le numéro 001 de cet hebdomadaire Congo Métro est une nouvelle forme de presse qui s'inscrit dans la lignée des journaux gratuits d'annonce avec son modèle économique. L'objectif est que le journal passe de main à main et que chacun tire profit des informations ainsi disponibilisées. L'éditeur Ozias Matumba, un Congolais de la diaspora, fait le point. Je dis que dans notre pays, le Congo, un jour, nous serons aussi le métro. À part ça, je pensais aussi qu'à travers le Congo métro, le nom métro, ça signifie la vitesse du métro. Voilà. Donc à travers le Congo métro, le journal, les informations, la publicité sera véhiculée d'une manière que je ne pouvais pas imaginer. Voilà pourquoi j'ai utilisé ça, Congo métro. La chargée de marketing éclaire l'opinion. Elle sera accessible à tous. Par conséquent, nous invitons toute personne, toute forme d'annonceur qui souhaite faire la promotion de son produit, de contacter pour notre micro, car elle est là pour vous et puis ça sera accessible à les consommateurs. Avec un tirage de 10 000 exemplaires par semaine, Congo Métro arrive comme l'éclair dans l'espace médiatique quinoa. Il sera distribué gratuitement sur les principales artères de Kinshasa, aux aéroports, dans les supermarchés et chez le parlementaire Debout. 11 février 1983, 11 février 2014, cela fait exactement 31 ans que disparaissait le grand artiste musicien de renommée internationale Kabasele Joseph, dit Grand Calé, mais quoique mort, l'artiste demeure vivant parmi nous à travers ses œuvres. Christian Nyamabou remonte le temps en esquissant quelques tubes de Grand Calé dans son commentaire. Suivez. Février 2014, 31 ans, jour pour jour, depuis que la RDC a perdu un de ses grands artistes et musiciens sous le nom de Joseph Kabasele Tshamala, alias Grand Calé Calé Jeff. Né en 1930 et mort en 1983, le père de la musique congolaise moderne est décédé à l'âge de 53 ans suite à une crise qui l'a conduit dans l'au-delà malgré les soins intenses qui lui ont été administrés. Il est le fondateur de l'orchestre African Jazz, d'où sont sortis les artistes et musiciens de renom, en l'occurrence Fé Rochero Tabouley, les docteurs Nico Kassanda, Manu Dibangu, Jeannot Bombenga, encore en vie et en activité avec son orchestre et évoluant à Banda Lungwa. Il a composé plusieurs chansons qui ont fait parler de lui et qui ont contribué à l'éveil de conscience africaine en général et congolaise en particulier. Parmi ces chansons, nous pouvons citer Ebale à Congo, Lumumba, Table Ronde,
Indépendance Tchatcha, cette dernière qu'il a portée au sommet de la musique congolaise moderne. Voici un extrait de l'une de ses chansons. Neveu du cardinal Joseph Malula, Grand Calais a laissé une famille de plusieurs enfants, mais aucun d'entre eux ne s'est engagé dans la carrière musicale, comme c'est le cas avec les descendants de Tabouley, Ndombe Opetum et bien d'autres. C'est la signature vocale de Bienvenue Kaïba. Parlons religion à présent, affermir de plus en plus des chrétiens avec des enseignements pour qu'ils puissent avoir des connaissances. Tel est le but de ce grand séminaire biblique organisé à l'église Saint Précieux dans la commune de Kalamou. Le thème de cette croisade est Yaya Ofandi Po Opemate. Ouvert hier lundi, ce séminaire durera 7 jours avec comme orateur principal le pasteur Jean Bosco Kindoma, le numéro 1 de cette église, John Lupa Samuton. C'est un bavou. Adeptes, invités, pasteurs venant de tous bords ont tous répondu massivement à ces grands rendez-vous. Un grand séminaire biblique auquel les différentes questions sont axées autour du thème « Que fait Jésus maintenant à la droite du Père ?» Et l'orateur du jour, le docteur de la loi Jean Bosco Kindomba, a démontré aux chrétiens la divergence entre l'ancienne et la nouvelle alliance. Pour Jean Bosco Kindomba, le chrétien doit vivre la nouvelle alliance car c'est une nouvelle administration, un nouveau contrat pour les chrétiens avec la venue de Jésus-Christ où la grâce est gratuite. L'homme ne peut pas vivre sous la loi du fait que le Christ avait annulé les documents qui les accusaient selon les Saintes Écritures. Il convient de signaler que les activités de ces grands séminaires bibliques dureront 7 jours, soit du 10 au 16 février prochain. On va parler pouvoir coutumier. Il salue la paix retrouvée dans l'est de la RDC et que la cohésion nationale demeure un combat pour cette année 2014. Ce vœu a été exprimé par une centaine de chefs coutumiers congolais qui se sont réunis pour la première fois en cette année. C'était au quartier GB à Ngaliema. Guy Oloumé pour le reportage. Venus de 11 provinces de la République démocratique du Congo, ces chefs coutumiers veulent démontrer qu'ils ne sont pas divisés, mais unis par le même idéal, la paix et la cohésion du territoire national. L'année 2014 doit marquer beaucoup de changements positifs pour le pays. Le chef coutumier congolais occupe une place de choix dans la communauté RD congolaise, car il possède un pouvoir traditionnel non négligeable. Sa Majesté Lemba Lemba Kela Katwa, le président de chef coutumier de la RDC. À son Excellence Joseph Kabila Kabange, président de la République démocratique du Congo, que nous remercions de tout cœur pour les efforts combien louables consentis pour restauration d'une paix durable. Les chefs coutumiers ne restent pas indifférents concernant ce sujet de grande actualité congolaise, la fermeture de certaines églises. Moi, je demande qu'on ferme d'abord toutes les églises de réveil. Qu'on ferme d'abord. Nous ne pouvons pas continuer à supporter ces gens-là alors qu'il y a un danger. Il y a un danger qui se prépare. Bien que souvent accusés par l'opinion de vendre en désordre des terrains sous leur tutelle,
Ces derniers se déclarent contre cette pratique. Les chefs coutumiers congolais veulent participer au gouvernement de cohésion nationale à venir et ils sont prêts à envoyer les candidats de leur choix. On va faire un tour dans les kiosques pour lire les journaux parus cette matinée dans la capitale congolaise. Revue de presse, Nadine Luchaka. Bienvenue au tour de journaux parus ce mardi à Kinshasa. On commence avec la...